Bonjour à toutes et à tous, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida au Salon international du bâtiment. Et je suis avec monsieur Mohamed Hachibi, directeur commercial de la société sanitaire Rindi. Ici en plein espace d'ailleurs, nous partageons un petit café très agréable sur un espace qui était conçu par Sanitaire Rindi. Bonjour. Bonjour, avec plaisir. Je suis le responsable de la société Sanitaire Gandhi. Sanitaire Gandhi est une société qui fait que de l'importation de carrelage sanitaire, robinetterie, accessoires salle de bain, la mosaïque décorative, la mosaïque de piscine et meubles salle de bain. Je voulais vous poser la question. Vous avez un magnifique espace. Hein, vous avez carrément créé un showroom où le professionnel, le visiteur du salon peut vraiment découvrir l'ensemble de vos gammes, mais en configuration réelle. D'ailleurs, nous sommes installés sur une configuration réelle. Quelles sont aujourd'hui les nouveautés de Sanitaire Rindi? Alors, à travers ce stand, on a essayé d'être représentatif de ce qu'on propose. Donc, on ne peut pas mettre tout ici. Donc, les produits, c'est dans notre showroom. Alors, ici, on a mis les grands carreaux, les grandes dalles d'une société espagnole donc, qu'on représente au Maroc, que ce soit mural ou du sol. C'est des produits marbrés, des produits type... ciment, c'est la pierre, donc c'est différents modèles aussi, le corten, le rouillé, donc il y a différents produits de carrelage. Donc on a essayé d'être représentatif. Pour le côté de la mosaïque de piscine, aussi on a mis quelques modèles, c'est pour voir ici ce qu'on peut présenter à notre clientèle. Surtout la clientèle de la prescription, les architectes, les décorateurs et aussi quelques particuliers qui nous ont visités pendant cette période. Pour la part les meubles salle de bain aussi, on a mis quelques meubles et on a exposé les vasques aussi. On a mis une dizaine de vasques, c'est juste ce qu'on a, c'est un peu, c'est vraiment une petite, c'est représentatif, si on peut dire. Vous avez mis un peu quelques éléments de différents corps, différents univers, mais ce qu'on remarque, c'est aussi la qualité du design. Ça a l'air très, on va dire, très contemporain, très moderne. Est-ce que c'est aujourd'hui les attentes du client, les clients vont vers quelque chose de très minimaliste, très design en termes en termes d'aménagement? Est-ce que vous suivez la tendance ou vous proposez des choses qui sont un peu dans le style de ce que vous avez l'habitude de proposer? En général, c'est ce qui est demandé maintenant, surtout par les architectes, les décorateurs, c'est le contemporain, des produits minimalistes, c'est ça en général. Mais on ne propose pas seulement que ça, il y a d'autres produits. Selon notre clientèle, il y a des promoteurs, ils prennent des choses classiques. Il y a des promoteurs qui prennent que des choses modernes. Donc on est là pour répondre à tout type de demandes. J'aimerais vous poser, M. Mohamed Hachibi, votre présence sur le Maroc. Vous avez parlé d'un showroom. Vous êtes présent où? Est-ce qu'on peut retrouver vos produits partout? Alors, pour notre présence, on est situé à Boulevard Yacoub El Mansour à Casablanca, mais on fait aussi la distribution partout au Maroc. Donc, nos produits sont présents partout au Maroc. Donc, c'est à l'Orient, dans le Nord et aussi dans le Sud, à travers c'est pas nos points de vente, mais à travers nos distributeurs. Donc c'est ça en général les produits qu'on a. Alors une question pour vous, vous avez mis les moyens justement sur le Salon international du bâtiment. Que pensez-vous aujourd'hui de ce retour, cette 18e édition, ici notamment au parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida par rapport aux éditions précédentes? Alors par rapport aux éditions précédentes, nous on est très satisfaits de cette foire ici dans cette d'El Jadida. On a eu une clientèle ciblée et sélectionnée. Donc on a reçu pas mal de visites et on est content. Donc on ne doit que faire le suivi pour avoir un retour.
transformer, comme on dit, transformer les ventes et les contacts que vous avez noués avec vos visiteurs. En tout cas, très agréable. Merci beaucoup pour le café. D'ailleurs, même le café est très bon. Le petit café pour finir cette dernière journée. Et puis, vos pronostics pour le Maroc et la Belgique. Alors, vous allez nous porter chance, hein? J'espère qu'on gagne 1-2, 0, 2-1. Donc, j'espère. Inch'Allah. On a entendu Mohamed Hachibi, c'est grâce à lui que l'équipe nationale a gagné. Hein, parce que quand vous allez revoir la vidéo, on aura certainement gagné. Et merci en tout cas, excellent Salon International du Bâtiment. À très vite.